souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes. Salut tout le monde, c'est Trop Forestier. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en compagnie de Dixie Dark. Voilà. Salut. Et on est en compagnie de comment ? Un ami, deux amis, un chien, hein ? Bah oui. Et deux autres amis qui sont là-bas en train de faire un autre bâtiment. Là-bas. Et il y en a un autre là-bas qui, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on finit le camp. Enfin, on finit pas tout à fait le camp parce qu'on n'a pas tout à fait fini, mais on a fait un petit feu. Mon petit, c'est plus trop petit. On a fait du café qui est là-bas. On a commencé à mettre la mousse sur le tipi, comme vous pouvez le voir. Qu'on a continué à mettre un peu de branches. Et on commence à mettre la mousse vers ici. Voilà. Et là, on a fini le. Comment ? Bah, on peut dire carrément que c'est un bunker. Parce que. C'est immense. Donc, on a recouvert toute la charpente avec donc les gros rondins de bois. On les a recouverts avec des branches de sapin donc courbé, comme vous pouvez le voir, la forme du bâtiment est un peu courbée, donc on a mis de la mousse par dessus et après on a mis de la mousse pour bloquer, pour empêcher l'eau de passer. Et à l'intérieur, on va commencer à aménager. Donc à l'intérieur, c'est vraiment exigu comme attendez, je vais essayer de sortir ma lampe pour vous montrer. C'est plutôt bas de plafond, mais ça fait exactement comme un bunker. On a des trous pour regarder à l'extérieur et c'est aussi très étanche. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de branches de sapin entassées, après de la mousse. Et on a creusé avec une pelle. On a creusé avec une pelle tout le système. Enfin tout le bâtiment. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez bien. Il reste encore quelques trous au-dessus. Après, de toute façon les branches serviront de tuiles aussi. Voilà. Et donc, voilà, comme vous pouvez le voir, on est une belle rainure et c'est totalement camouflé parce qu'il y a de la mousse partout. C'est magnifique. Et l'arrière, une pierre, tout ça. C'est vraiment super. Franchement, on a super bien bossé là. Bon, ça nous aura demandé quelques heures de travail, mais c'est vraiment pas mal quoi. Donc, il y en a un qui dépasse de là. Hein. Donc, on a fait aussi également une petite marche avec des. Un peu le système qu'on met pour bloquer la chaleur, un mur de chaleur quand on fait du feu. Donc des bâtons plantés à la verticale et d'autres bâtons mis derrière à l'horizontale. Comme ça, ça bloque la terre qui est là pour la marche. Bon, ça tient pas trop bien, comme vous pouvez le voir, ça bouge un peu. Mais c'est permanent de toute façon. Voilà. Et là, on est en train de faire un autre bâtiment qui nous servira aussi à dormir. Donc la porte sera vers ici. Et après on va tout recouvrir avec de la mousse. Donc comme vous pouvez le voir, par exemple, vers ici, on a arraché tout, on a l'impression qu'il y a des sangliers qui sont passés. C'est vraiment impressionnant. On est des cinglés. Et donc voilà ce que ça donne le bunker à l'extérieur. Donc franchement c'est super bien camouflé, on n'a pas l'impression que c'est un bâtiment, mais voilà. Et donc là, nos amis ont commencé la charpente d'un autre bâtiment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au printemps, on va dormir ici, en groupe de 10 à peu près. Et on aura tous... arrête de faire des fucks toi. Et puis on aura tous chacun à peu près un bâtiment. Voilà. Tu es en série avec son arbre là. Fais gaffe toi. Ouais, si j'arrive à reprendre ma pelle qui est par terre là. D'ailleurs, je tiens à dire que je ferai bientôt une vidéo sur la pelle Miltech. Donc une pelle, une réplique de la pelle de l'armée allemande des années 60. Donc une pelle, c'est pas une pelle US, c'est une pelle, je sais plus comment on appelle ça. C'est un système de ressort qui est là, comme vous pouvez le voir là, juste au-dessus de mon doigt, là. Un système de ressort, on appuie, elle se replie, tout ça. Il y a aussi un système de pioche qui est juste ici, en fer forgé, et ça c'est vraiment génial comme truc. C'est incassable, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Et il y a toujours l'éternelle petite cabane en mousse. Voilà. Donc on se refait je vous refais une petite vidéo tout à l'heure pour vous montrer dans quoi on a avancé. Allez. Alors on a commencé à une nouvelle cabane. Bon là donc là c'est pas l'entrée. Donc là on a commencé à mettre de la mousse. Ce sera exactement pareil que celle-là, mais en plus long. Bon, arrêtez vos conneries. On peut se mettre allongé, ça tient. Donc là c'est l'entrée.
Là, ici, c'est l'entrée. Et ici, bah, c'est un mur qui sera aussi recouvert de mousse. Donc, on a mis une petite corde là pour tenir. Et ce sera vraiment immense. Enfin, pas si grand que ça, mais ce sera déjà plus grand que l'autre cabane. Ce sera vraiment magnifique. Donc, ça va être génial. Un petit campement ici au printemps. Et comme vous pouvez le voir, on peut rentrer sans problème. Sauf bon, c'est un peu bas de plafond, comme l'autre, hein, bien sûr, mais voilà. Donc là, c'est le tronc, voilà. On sera vraiment, ça sera vraiment super là-dedans. Donc là, on voit le mur de l'autre cabane en mousse. Et voilà. Donc on a fini à peu près le camp. Ils ont presque fini leur cabane, hein. Ah ouais. Donc on voit à peu près ce que ça donne. C'est plutôt bien. Ils pourront bientôt mettre la mousse, hein, là, je pense. Ouais, on va mettre la mousse. Donc ils ont commencé le mur. Ça va, Corentin? Tranquille. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à lâcher un com. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!